Calvin Brown. Get over here. Alors, l'expérience Quartz Magazine, c'était juste incroyable en fait. Donc, quand j'ai reçu le mail que j'étais censée faire officiellement la couverture, c'était juste incroyable quoi. J'ai reçu des petits papillons dans le ventre. Voilà, je pense qu'être mannequin, c'est aussi ça. Pour habitude, je faisais des parutions dans des magazines, mais sans toutefois être en première de couve, la couve quoi. Donc aujourd'hui, c'est une grande première pour moi et donc voilà, je remercie Quartz Magazine de m'avoir choisi. Alors le shooting s'est fait à Cotonou. Oui, le shooting s'est fait à Cotonou. Moi j'étais censée m'y rendre en fait. Et la direction du magazine, la direction artistique du magazine a décidé effectivement que le shooting allait se faire sur Cotonou. Donc voilà, le photographe Orange Akponou, le talentueux photographe à qui déjà je remercie pour ce magnifique travail, a accepté faire les photos pour le magazine. Généralement, ce qu'on me demande, c'est vrai que généralement on me demande de beaucoup donner de ma personne quand je fais des photos, mais là c'était un autre univers. Le fait de travailler avec des photographes, je tiens à rappeler que je travaillais plus avec des photographes camerounais. Travailler avec un photographe autre qu'un photographe camerounais, c'est apporter une nouvelle vision. Donc c'était deux univers qui se rencontraient en fait. Oui, je dirais que le fait de que ce soit pour un magazine camerounais, c'est vraiment important pour moi en fait. Ça marque le fait que l'industrie de l'entertainment au Cameroun est en train de grandir. Et aussi en termes de médias, et surtout un média numérique en fait. Donc, que ce soit un magazine camerounais, c'est vrai que j'ai eu à collaborer avec des magazines à l'international. Et que ce soit un magazine camerounais qui veut que je sois, qui m'offre ma première couverture, c'est juste plaisant. Et donc voilà, ça me fait comprendre que l'industrie est en train de se construire et que d'ici 5 à 10 ans, il y aura vraiment, vraiment quelque chose d'énorme au Cameroun en fait. Alors mes projets court et à long terme, donc voilà, là c'est déjà continuer ma carrière de mannequin. Ma carrière de mannequin, là pour suivre, essayer d'aller de l'avant, de faire des choses que j'ai pas eu à faire jusqu'à aujourd'hui, de plus m'exporter autant pour moi. Donc voilà. Le conseil que je pourrais donner pour ceux qui sont passionnés par les métiers de la mode, c'est de foncer. Si vous sentez, vous l'avez réellement dans les tripes, vous sentez cette petite boule dans votre ventre qui vous dit de foncer, allez-y, n'hésitez pas. Quand on fait ce qu'on aime, on a l'impression de ne pas travailler. Donc voilà, c'est vrai qu'après, il faut vraiment que ça nourrisse son âme. Donc si vous le faites, faites-le très bien pour que vous soyez indispensable, afin que vous soyez toujours demandé encore et encore et que ce que vous faites plaise vraiment aux gens. Donc foncez, mais surtout faites-le bien. Alors, merci à tous mes fans, à tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent. Merci à Quartz Magazine pour cette opportunité. Je suis vraiment honorée. Et vive le Cameroun, vive la mode, vive Quartz Magazine.